بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. À ce stade de notre développement de cette thèse qui soutient que l'islam s'est opposé à la science et à la raison, nous avons démontré, tant au niveau des textes fondateurs de la doctrine musulmane qui sont le Coran et la tradition prophétique, qu'au niveau de l'histoire, que la science n'a jamais été perçue comme un ennemi de la foi en islam. Donc, pourquoi les orientalistes ont-ils inventé pareil mensonge ? La réponse est toute simple, le but est d'enlever à la civilisation musulmane tout mérite dans le développement intellectuel de l'Europe. Il s'agit là d'une thèse qui a été largement argumentée par bon nombre d'orientalistes. Dans son livre, Le soleil d'Allah pris sur l'Occident, l'orientaliste allemande Sigrid Huncke soutient que les musulmans ont non seulement sauvé la civilisation grecque de l'extinction et de l'oubli, mais ils l'ont offerte à l'Occident. Comment cela ? Dans l'héritage de l'islam, l'orientaliste britannique Alfred Guillaume dit que, sans les efforts des musulmans qui ont traduit les œuvres des grands philosophes grecs, l'Occident n'aurait jamais connu Aristote, et que même si Aristote est cité dans les œuvres de Dominique Guntisalvi, l'archevêque de Ségovie, au début du XIIe siècle, Guntisalvi s'est essentiellement inspiré des œuvres d'Ibn Sina, Ibn Rushd et Al-Farabi. Ibn Rushd a d'ailleurs tellement marqué l'Occident par sa pensée que cela a donné naissance à l'averroïsme, un système de pensée auquel se référaient les grands noms de la philosophie de l'Occident chrétien. Dans sa définition de l'espace et du temps, le philosophe allemand Emmanuel Kant ne fait qu'imiter Ibn Rushd. Et il n'y a pas qu'Ibn Rushd. La pensée du philosophe anglais Thomas Hobbes s'inspire à tout point de vue de la pensée d'Al-Farabi dans la cité idéale, Al-Madinatul Fadila. Al-Farabi a aussi largement influencé les auteurs des différentes théories du contrat social, tels que Jean-Jacques Rousseau et Nietzsche. La causalité d'Abu Hamid al-Ghazali a été reprise par David Hume. René Descartes s'est lui aussi beaucoup inspiré d'Al-Ghazali dans sa définition philosophique du doute. Ibn Tufayl, le savant pluridisciplinaire, et son Sahih ibn Yaqdan, un roman dont le personnage se retrouve seul sur une île et qui passe son temps à méditer, à réfléchir sur les questions existentielles, a inspiré le concept dit de la table rase développé par le philosophe anglais John Locke, concept selon lequel l'esprit humain naîtrait vierge et serait marqué, formé, impressionné au sens d'impression sensible par la seule expérience. Ce grand classique musulman a aussi inspiré Spinoza et Leibniz. Et quand Daniel Defoe a écrit Robinson Crusoe en 1719, tout le monde a parlé de talent alors qu'il ne s'agit que d'une banale imitation. Ibn Khaldun a lui aussi ouvert la voie aux grands penseurs de l'Occident, dans divers domaines des sciences humaines. Jean-Gabriel de Tarde reprend ses idées sur les lois de l'imitation. Émile Durkheim s'inspire de lui dans le fait social. L'impact de ce génie sur la pensée occidentale a été tel que Jacques Rissler a dit de lui dans son livre « La civilisation arabe » « Avant lui, nul écrivain, ni arabe, ni européen, n'avait jamais eu de l'histoire une vue à la fois si compréhensive et si philosophique. » L'avis général de tous les critiques d'Ibn Khaldun a été qu'il était le plus grand historien que l'islam ait jamais produit et l'un des plus grands de tous les temps. Et là, je ne vous parle pas d'El-Biruni qui a parlé de la gravitation 6 siècles avant Isaac Newton et il n'a pas eu besoin qu'une pomme lui tombe sur la tête pour y penser. Et je ne vous parle pas non plus d'El-Hassan ibn al-Haytham qui a parlé d'optique 5 siècles avant Descartes. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.